Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les officiers généraux, chers amis, merci d'être venus. Nous avons un immense plaisir à vous retrouver ce matin, Gérard Cohen, Gérard Arnault et moi-même, pour cette nouvelle édition du Petit Déjeuner à notre regard. Je vous remercie de votre fidélité et de l'intérêt que vous portez à cet événement, dont nous célébrerons prochainement le 5e anniversaire. Comme certains d'entre vous l'ont sans doute remarqué, il y a une caméra dans cette salle. Elle est présente à l'initiative de notre nouveau partenaire, le Nouvel Économiste, que je voudrais vivement remercier ici. En effet, notre ami Henri Nidam, qui en est son directeur et qui est avec nous ce matin, nous a fait l'honneur de nous offrir une place de choix sur son site internet en diffusant la vidéo de nos conférences. Ainsi, dès demain, vous aurez le loisir de retrouver cette conférence en ligne. Chers amis, vous êtes venus en grand nombre ce matin. Cela témoigne, s'il en était besoin, de tout l'intérêt que vous portez à la parole de notre invité, André Comte-Sponville. Philosophe matérialiste, rationaliste et humaniste, nous sommes très heureux, monsieur, de vous recevoir aujourd'hui. Et nous vous remercions d'avoir accepté, avec tant de spontanéité et de générosité, notre invitation. André Comte-Sponville, vous êtes agrégé de philosophie et avez été maître de conférence à l'Université Panthéon-Sorbonne jusqu'en 2003. Vous siégez au Comité consultatif national de l'éthique et vous êtes membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Vous avez publié de nombreux ouvrages et traduit dans plus de 20 langues, en particulier le petit traité des grandes vertus qui vous a, si j'ose dire, lancé sur la scène philosophique française et internationale. Vos thèmes de prédilection sont la sagesse, le bonheur et l'amour. Le livre dont vous avez choisi de nous parler ce matin porte le titre énigmatique « Le sexe ni la mort » que vous ne manquerez pas d'éclaircir pour nous ce matin. Si la plupart des philosophes éludent la question du sexe, ce grand secret de nos vies selon Sagan, vous estimez au contraire que nos sexualités, teintées de culpabilité pendant des siècles et libérées depuis quelques décennies seulement, méritent qu'on les pense sans tabou. À travers vos pages, vous expliquez que si le sexe est si troublant, si fascinant et si éblouissant, c'est parce qu'il révèle la partie la plus animale de notre être. En effet, le sexe est le désir le plus fort que nous connaissons. Celui, pardonnez-moi, de l'orgasme et aussi celui de réduire l'autre à un moyen et à un objet. Tandis qu'à l'inverse, l'amour traite l'autre comme une fin en soi. Dans votre livre, vous vous intéressez alors à la rencontre forte, délectable et problématique entre l'amour et la sexualité. Mais je préfère vous laisser à présent la parole sur un sujet que vous maîtrisez beaucoup mieux que moi. Bien, bonjour à tous. Oui, on m'a proposé de présenter ici l'un de mes livres. J'ai choisi, bien sûr, le plus récent, puisqu'il est sorti au début de cette année. Pas seulement parce que c'est le plus récent, mais aussi parce qu'il porte sur les deux sujets les plus intéressants. L'amour, comme chacun sait, et la sexualité, comme chacun sait aussi, même si ça se dit un peu moins. L'amour est le sujet le plus intéressant. J'en veux pour preuve que si vous dînez un soir avec quelques amis, la conversation peut porter sur la crise économique, sur les malheurs de l'UMP, sur les malheurs du Parti socialiste, sur vos prochaines vacances, sur le dernier film que vous avez vu, et tout ça peut être tout à fait intéressant. Mais si tout d'un coup, l'un des convives se met à parler d'amour, presque inévitablement, l'intérêt des autres en est très sensiblement augmenté. Essayez, dans un dîner en ville, de dire tout d'un coup, « Je suis tombé amoureux ». Et vous allez voir que les affaires Fillon-Copé et même la crise économique prennent une certaine distance. L'amour est le sujet le plus intéressant.
Alors, je ne vous demande pas de parler de sexualité dans un dîner en ville, parce que ça ne se fait pas, précisément. Mais ça confirme que ce sujet-là est aussi très intéressant. Mais non seulement l'amour est le sujet le plus intéressant, l'amour au sens ordinaire du terme. Une passion amoureuse entre un homme et une femme, deux hommes, deux femmes, si vous préférez, le couple. Mais j'ajouterais qu'aucun autre sujet n'a d'intérêt qu'à proportion de l'amour que nous lui portons. Parce qu'enfin, si l'un d'entre vous nous disait « Ah non, là, désolé, pas du tout, pour moi, le sujet le plus intéressant, c'est pas l'amour, c'est l'argent. » Je lui répondrais, bien sûr, ça prouve que vous aimez l'argent. C'est encore un amour. Et celui qui nous dirait « Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas l'amour, c'est pas l'argent, c'est mon métier. » Je lui dirais « Ça prouve que vous aimez votre métier. » Autrement dit, non seulement l'amour au sens le plus ordinaire du terme est le sujet le plus intéressant presque toujours pour presque tout le monde, mais encore une fois, aucun autre sujet n'a d'intérêt qu'à proportion de l'amour que nous lui portons. Alors, sur l'amour, moi j'avais déjà pas mal écrit, spécialement, j'avais consacré à l'amour le dernier chapitre de l'un de mes livres que vous avez eu la gentillesse d'évoquer, « Le petit traité des grandes vertus », 18 chapitres qui portaient sur 18 vertus différentes, et bien sûr je terminais par la plus grande, la plus précieuse de ces vertus, qui est l'amour. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que ce livre a eu un considérable succès, donc on m'a demandé de faire beaucoup de conférences pour le présenter. Mais comment voulez-vous faire une conférence, sur une seule conférence, sur un livre qui, en 18 chapitres, porte sur 18 vertus différentes? C'était bien sûr impossible, vous n'allez pas faire un plan en 18 parties de 5 minutes chacune, qui au demeurant a déjà été un exposé trop long. Et donc j'avais pris l'habitude de prendre un chapitre, presque toujours le dernier, celui sur l'amour. Et donc depuis 17 ans, puisque le petit traité est paru il y a 17 ans, j'ai fait des dizaines de conférences sur l'amour. Mais vous vous doutez bien qu'en 17 ans j'ai changé, malgré tout, la vie et la philosophie m'ont fait évoluer. Ma réflexion s'est approfondie. Bref, j'avais envie, 17 ans après, de publier cette conférence qui, au départ, était une espèce de commentaire du petit traité, mais qui, 17 ans après, était devenue quand même assez sensiblement différente de ce que je disais dans le petit traité. Et puis, j'avais envie de parler aussi de sexualité. Alors, disons un mot sur ce titre énigmatique. Vous avez raison, il l'est en effet. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, une fédération de médecins, en l'occurrence de médecins sexologues, en l'occurrence la Fédération de sexologie clinique, m'avait demandé une conférence pour leur congrès de sexologie, évidemment, sur la sexualité. J'avais accepté, et comme il m'avait demandé un titre, évidemment, comme toujours, pour l'annoncer, bien avant que j'aie même commencé à préparer ma conférence, le titre qui m'est venu spontanément, ça a été « Le sexe ni la mort ». Pourquoi ? Parce que c'était un clin d'œil dans mon esprit, évidemment, à l'une des maximes les plus célèbres de La Rochefoucauld, en l'occurrence, « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement ». Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. Et si ce titre, « Le sexe ni la mort » m'est venu, c'est que j'avais le sentiment qu'il y avait en effet quelque chose de commun, non pas tant entre le sexe et la mort, même si c'est devenu un cliché depuis longtemps que d'évoquer la petite mort de l'orgasme, mais entre le sexe et le soleil. Parce que dans mon titre, « Le sexe ni la mort », le sexe prend la place expressément du soleil. Et en effet, il y a quelque chose, voire plusieurs choses de commun entre le soleil et le sexe. Les deux sont à l'origine de toute vie, de toute énergie en quelque chose, même si ça n'est pas au même sens du mot énergie. Les deux nous font vivre. Les deux peuvent nous tuer, parfois, peut-être. Les deux nous chauffent, nous réchauffent, nous échauffent. Les deux nous éblouissent et nous fascinent. Alors, s'agissant du soleil, il nous éblouit au sens propre du terme. S'agissant de la mort, qu'on ne puisse pas, elle non plus, la regarder fixement, ça se comprend, puisque la mort, en quelque chose, nous effraie, puisqu'elle suppose notre propre disparition. Mais pourquoi le sexe
a-t-il ce même effet d'éblouissement? Alors j'entends bien que regarder le sexe de l'autre fixement, aujourd'hui, ça fait partie assez communément des plaisirs de notre vie érotique. Et c'est tant mieux. On ne peut pas regarder le sexe de l'autre froidement, tranquillement. Ce que je dirais, c'est que le sexe ni la mort ne se peuvent regarder sans trouble. Et j'ai voulu essayer de comprendre ce trouble-là. Si bien que c'est un livre qui porte sur deux sujets différents. L'amour, que j'évoquais en commençant, le sexe, dont je parle à l'instant. Parce que d'évidence, le sexe et l'amour sont deux choses différentes. Alors qu'on peut fort heureusement vivre ensemble. C'est même sans doute ce qu'on peut vivre de meilleur que la rencontre de l'amour et de la sexualité. Mais enfin, pour qu'il y ait rencontre, il faut précisément qu'il s'agisse au départ de deux choses différentes. Et chacun sait en effet qu'on peut évidemment faire l'amour avec quelqu'un dont on est nullement amoureux, voire avec quelqu'un que l'on n'aime pas spécialement. Et on peut aussi, même si c'est peut-être un peu plus rare, être amoureux de quelqu'un au fond qu'on ne désire pas spécialement. Et c'est justement, encore une fois, parce que l'amour et la sexualité sont deux choses différentes, que leur rencontre dans une même histoire est à ce point désirable et délectable. Alors, quant au sous-titre de ce livre, donc, Le sexe ni la mort, sous-titré « Trois essais sur l'amour et la sexualité », c'était à nouveau un clin d'œil, en l'occurrence à l'un des livres les plus célèbres de Freud, les très fameux « Trois essais sur la théorie de la sexualité ». Il y a donc deux sujets différents, l'amour, le sexe, et donc en vérité, il y a trois sujets. L'amour, le sexe, enfin le rapport entre les deux, qui est finalement peut-être le sujet essentiel de ce livre, constitué essentiellement de trois chapitres. Le premier porte sur l'amour, le deuxième sur la sexualité, et le troisième sur l'amitié et le couple. J'ai ajouté deux appendices portant sur Blaise Pascal et Simone Veil. Alors, un mot sur la différence entre l'amour et la sexualité. Non seulement il y a une différence de fait, comme je le rappelais, on peut être amoureux de quelqu'un qu'on ne désire pas plus que ça, on peut désirer très fortement quelqu'un dont on est nullement amoureux. Mais je dirais que non seulement ces deux affects sont indépendants l'un de l'autre, mais qu'en quelque chose, ils vont dans des directions opposées. Parce que l'amour, alors spécialement la passion amoureuse, mais c'est vrai aussi bien de l'amitié, est un sentiment non seulement singulier, mais je dirais singularisant. Si j'aime cette femme, je n'aime qu'elle dans sa singularité parce qu'elle est différente de toutes les autres. Si j'aime telle de mes amies, je l'aime dans sa singularité parce qu'il est différent de tous les autres. Singularité de l'amour, généralité du désir sexuel. J'aime cette femme-ci et elle seule de cette façon, dans sa singularité parce qu'elle est différente de toutes les autres. Et si je me promène dans une rue de Paris, je vais croiser en quelques heures des dizaines de jeunes femmes que je trouve tout à fait désirables. Autant, voire parfois peut-être davantage, que la femme que je continue par ailleurs d'aimer. Eh oui, mesdames, c'est ça. C'est ça, en tout cas, pour les hommes. Je soupçonne, ce n'est pas forcément très différent pour les femmes, mais j'en parle avec davantage de prudence. Alors cet homme qui s'est promené 2 heures dans Paris, qui a croisé, surtout au printemps, en été, des dizaines de jeunes femmes fort désirables et court vêtues. Il rentre chez vous à la fin de la journée et il vous murmure à l'oreille « J'ai envie de toi ». Il a envie d'une femme. Alors, dans le meilleur des cas, s'il vous disait absolument la vérité, il vous dirait « J'ai envie d'une femme ». Et tu vois, je suis très heureux que cette femme, en l'occurrence, ça soit toi. Ça ne pourrait pas tomber mieux. Sincèrement, vous ne pouvez pas lui en demander beaucoup plus. Parce que si vous lui demandez
de ne désirer que vous, comme il n'aime que vous. Vous n'avez pas compris la différence entre l'amour et la sexualité. Singularité de l'amour, généralité quasi indéterminée de la sexualité. Mais non seulement il y a cette opposition entre la singularité d'un sentiment et la généralité quasi indéterminée d'un désir, mais qui plus est, il y a, en tout cas assez souvent, une espèce de tension, voire d'inversion, entre deux directions. C'est que l'amour tend à élever son objet. Si j'aime cette femme, spécialement si j'en suis amoureux, je vais la porter au pinacle, comme on dit. C'est quasiment une déesse. Et oui, l'amour élève son objet. Alors qu'il y a dans la sexualité, en tout cas masculine, une part obscure qui tend à abaisser son objet. Je l'aime comme personne, elle est exceptionnelle, elle est supérieure à toutes les autres, et je lui fais l'amour comme à n'importe qui. Et cette part obscure, alors bien attestée dans la littérature, érotique, ça me paraît intéressant aussi. C'est pas ce qu'il y a de plus sympathique dans la sexualité, spécialement masculine, mais ce serait se raconter des histoires que de ne pas voir que ça existe. On ne peut pas parler de sexe en faisant l'impasse sur le viol, sur la prostitution, sur la pornographie. Et cette part obscure, alors, c'est trois choses différentes, hein. Le viol et le proxénétisme, ce sont des crimes, évidemment. La pornographie pourrait être dans son principe un loisir innocent. Ce n'est pas d'objection morale a priori, sauf que. Ce qui me gêne, ce n'est pas le principe de la pornographie, c'est sa réalité. Vous savez, quand je travaillais à ce livre, j'ai eu un échange de mails avec mon ami Svetan Todorov, qui est peut-être bien le plus cultivé de tous mes amis. Alors je lui dis, entre autres, que je travaille sur la sexualité, tu as des références bibliographiques, je suis preneur. Svetan me répond, écoute, il me dit éventuellement un ou deux livres, il me dit surtout, j'en ai parlé à Nancy Houston, sa compagne, sa femme. Et Nancy me dit de te dire, tape sexe sur Google et regarde ce qui vient. Bien, je vous invite à le faire. Tapez sexe sur Google, ce qui vient, ce sont des milliers de sites pornographiques, et presque exclusivement pornographiques. Et vous allez voir, et vous tombez sur des scènes et des propos, non seulement d'une bêtise et d'une vulgarité inouïe, mais d'une violence, d'une misogynie et d'un mépris insupportable. La pornographie, dans son principe, à la limite, je ne serais pas contre, mais la violence, le mépris, la misogynie, évidemment que je suis contre. Simplement, ça existe. Et il y a des millions de gens qui vont y voir, si je veux dire, comme il y a des millions de clients de prostituées, comme il y a des dizaines de milliers de viols tous les ans en France. Alors on pourrait dire que ce sont des malades, sauf que vous qui n'êtes pas des malades, quand vous allez voir ces sites pornographiques, forcez de reconnaître que ça ne vous laisse pas tout à fait indifférent. Cette part obscure de la sexualité, elle est en vous, en moi aussi. Alors, je parle de la sexualité ici masculine, puisqu'au fond, sur les sites porno, ce sont plutôt les hommes qui vont. Quand les femmes y jettent un œil, je ne dis pas que ça les laisse indifférentes, mais en gros, ça les amuse. Ouais. Je me souviens d'avoir lu dans un magazine féminin, je crois que c'était Biba, si mes souvenirs sont bons, un article là-dessus, sur le porno. Ouais. Et la journaliste disait assez finement à ses lectrices, si vous regardez une cassette porno avec votre homme, évitez de faire trop d'humour. Regardez comme il est sérieux, lui. Ce sérieux-là, cette lourdeur, cette pesanteur de la sexualité, au moins masculine.
Alors, ça ne veut pas dire que les femmes ne s'intéressent pas à la sexualité. Elles s'y intéressent sans doute tout autant que les hommes, mais pas dans le même rapport. Et spécialement, il me semble qu'il y a une espèce d'asymétrie entre hommes et femmes, dans la place que les uns et les autres accordent respectivement à l'amour et à la sexualité. J'entends par là que, pour la plupart des femmes, parce que bien sûr les femmes sont toutes différentes, comme les hommes sont tous différents, mais il me semble qu'en moyenne, et pour des raisons sans doute qui touchent à la culture, au moins autant qu'à la nature, mais la culture, ça fait partie du réel, il me semble que pour la plupart des femmes, l'amour est le but. Le sexe est un moyen au service de ce but. Alors qu'il me semble que pour la plupart des hommes, c'est l'inverse. Le sexe est le but, l'amour est un moyen au service de ce but. On a pu dire, alors c'est pour une part une boutade, mais une boutade qui à la fois m'amuse et me donne à penser, on a pu dire qu'un homme était prêt à tout pour faire l'amour, y compris à aimer. Et qu'une femme était prête à tout pour aimer et être aimée, y compris à faire l'amour. Alors c'est une boutade, spécialement pour le deuxième terme du parallèle, si vous voulez, mais qui dit malgré tout quelque chose d'important. Il m'arrive de dire dans ce livre que l'amour est une invention des femmes. Comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire que je ne crois pas en l'amour ou que l'amour pour moi n'existerait pas. Si je vous dis « les frères Lumière ont inventé le cinéma », vous n'allez pas me dire « ah bon, vous ne croyez pas au cinéma? Vous croyez que le cinéma n'existe pas ?» Ben si, il existe puisque les frères Lumière l'ont inventé. Quand je dis que l'amour est une invention des femmes, même si là encore c'est partiellement une boutade, mais partiellement seulement, ça ne veut pas dire que je ne crois pas en l'amour, que l'amour pour moi n'existe pas. Bien sûr que si, il existe puisque les femmes l'ont inventé. Mais il n'existerait peut-être pas si les femmes, justement, n'avaient pris l'initiative de l'inventer. Autrement dit, mon idée, c'est qu'une humanité exclusivement masculine, parce qu'après tout, ça aurait pu se produire, hein, la nature connaît d'autres modes de reproduction que la reproduction sexuée. Mon idée, c'est qu'une humanité exclusivement masculine n'aurait jamais inventé l'amour. Le sexe et la guerre auraient suffi toujours. Disons, le sexe, la guerre et le football auraient suffi toujours. Ou disons, puisque nous sommes ces avocats d'affaires, le sexe, la guerre, le football et le business auraient suffi toujours. Par chance, pour les femmes, ça ne suffit pas. Elles ont donc inventé autre chose. Autre chose qui touche à la culture, encore une fois, au moins autant qu'à la nature. Autre chose qu'elles ont inventée en tant que mère, sans doute, bien plus tôt et bien davantage qu'en tant qu'amante ou qu'épouse. Autre chose que l'on appelle l'amour, que les femmes se sont empressées d'enseigner à leurs hommes, à leurs fils, à leurs compagnons, avec une telle efficacité pédagogique que pour les plus talentueux de ces hommes, on finirait presque par oublier qu'il s'agit d'un rôle de composition. Moyennant quoi, ils s'y retrouvent assez bien, puisque l'un met l'amour au service du sexe et l'autre met le sexe au service de l'amour. Ils ont donc l'un et l'autre et l'amour et le sexe. On aurait tort de se plaindre. Malgré tout, cette asymétrie demeure, qui fait à la fois le sel et parfois la difficulté de nos vies de couple. Alors, un mot sur l'amour, je ne vais pas être trop long pour qu'on ait le temps de discuter de tout ça. Alors, s'agissant de l'amour, j'ai repris la problématique qui était celle déjà de mon chapitre dans le petit traité des grandes vertus, qui revient à distinguer trois types d'amour différents, que je distingue par leurs trois noms grecs, non pas par fascination pour le grec, mais parce qu'en français, ce mot d'amour a tellement de sens différents. Parce qu'au fond, je peux aimer la femme ou l'homme dont je suis amoureux, mais j'aime aussi mes enfants. D'évidence, ce n'est pas le même amour.
Je peux aimer mes parents et mes amis. D'évidence, c'est pas le même amour. Je peux aimer le bon vin, la bonne chair, le pouvoir, la gloire, que sais-je. La philosophie, la musique. Combien d'amours différents pour combien d'objets différents. Si bien qu'en français, qu'on dit pourtant une langue plutôt analytique, et qu'il est le plus souvent. Mais je dirais que s'agissant d'amour, le français fait preuve d'une puissance synthétique presque exagérée. Si bien, comme je le disais, que lorsqu'on parle d'amour en français, ça fait plaisir à tout le monde, mais d'autant plus que personne ne sait exactement de quoi l'on parle. Si bien que s'agissant d'amour, j'ai pris donc l'habitude, une fois n'est pas coutume, d'utiliser les trois mots grecs dont les anciens se servaient pour désigner trois types d'amour différents. Ce sont les trois noms grecs de l'amour. Alors le premier de ces trois noms est très connu, y compris en français, même s'il est souvent mal compris, c'est Eros. Le second n'est guère connu que de ceux qui ont fait au moins un peu de grec ou de philosophie, c'est Philia. Enfin, le troisième n'est guère connu que de ceux qui ont une éducation religieuse, en l'occurrence chrétienne, point trop déficiente, c'est Agapé. Eros, Philia, Agapé, voilà les trois noms principaux de l'amour en Grèce. Il y a d'autres mots, mais qui sont les trois concepts principaux. Alors commençons par Eros. Je disais, le mot est d'usage fréquent en français, mais souvent mal compris, parce qu'à cause des mots érotisme, érotique, érogène, beaucoup de gens croient qu'Eros, en grec, c'est la sexualité. Pas du tout. Le nom grec Eros, le substantif, ça ne signifie pas le sexe, ça signifie l'amour. Et le dieu Eros, dans la mythologie grecque, ce n'est pas le dieu du sexe, qui serait plutôt Aphrodite. Non, c'est le dieu de l'amour. Eros, ce n'est pas le sexe, c'est l'amour, mais c'est un amour très particulier. Parce que c'est l'amour passion. C'est l'amour que l'on ressent quand on est amoureux, mais alors au vrai sens le plus fort du mot amoureux, quand on est redingue amoureux, comme on dit aujourd'hui. Autrement dit, mesdames, Eros, c'est l'amour que vous ressentiez pour votre époux avant qu'il ne soit votre époux. Je ne doute pas que ça soit encore très bien pour certaines d'entre vous aujourd'hui. C'est peut-être même mieux aujourd'hui qu'à l'époque. Mais malgré tout, rappelez-vous à quel point c'était différent. Voilà. Eros, c'est la passion amoureuse dans sa violence, dans sa fureur, dans sa folie parfois. Et philosophiquement, c'est l'amour selon Platon. C'est l'amour selon Platon parce que le plus beau texte jamais écrit en philosophie sur cet amour-là, Eros, la passion amoureuse, c'est un texte célébrissime de Platon qui s'appelle Le Banquet. Alors qu'est-ce que c'est que la vérité de l'amour selon Socrate? Il y a plusieurs discours sur l'amour dans Le Banquet, mais le discours principal, bien sûr, c'est celui de Socrate, le maître de Platon, par la bouche duquel Platon, après la mort de son maître, ne cessera plus de s'exprimer. Eh bien, la vérité sur l'amour, pour Platon et Socrate, tient en une double équation. L'amour est désir et le désir est manque. L'amour est désir et le désir est manque. Et Platon enfonce le clou en écrivant « Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà ce que sont le désir et l'amour. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, tels sont les objets du désir et de l'amour. » Et voilà, ajouterai-je, pourquoi le bonheur si souvent est manqué. Voilà pourquoi, comme dit le poète Louis Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Pas de panique pour les jeunes mariés, s'il y en a dans la salle, j'en suis au premier nom de l'amour. J'en ai encore deux pour entreprendre, pour essayer de sauver votre couple. Enfin, si c'est encore possible, je ne vais pas non plus faire des miracles. Mais si c'est possible, on va essayer. Mais avant d'entreprendre, notamment avec Aristote et Spinoza, de sauver votre couple, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'il y a bien en effet quelque chose à sauver. Autrement dit, qu'il y a bien, comme on dit, un problème quelque part. Ce que tous ceux qui sont mariés depuis quelques années ont compris depuis longtemps. Le problème, c'est quoi?
C'est que si l'amour est désir et si le désir est manque, je n'aime et ne désire par définition que ce que je n'ai pas, puisque le désir est manque. Or, qu'est-ce que c'est qu'être heureux ? Platon répond, mais au fond, chacun d'entre nous pourrait répondre la même chose. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Pas forcément tout ce qu'on désire, parce qu'on sait bien qu'à ce compte-là, on ne sera jamais heureux, mais enfin, être heureux, c'est avoir une bonne part, peut-être la plus grosse part de ce qu'on désire. C'est ça, le bonheur. Très bien. Mais si le désir est manque, tu ne désires par définition que ce que tu n'as pas, et si tu ne désires que ce que tu n'as pas, eh bien, par définition, tu n'as jamais ce que tu désires. Et donc, tu n'es jamais heureux, puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Non pas, bien sûr, qu'aucun de nos désirs ne soit jamais satisfait. La vie, heureusement, n'est pas difficile à ce point. Mais dès qu'un de nos désirs est satisfait, il n'y a plus de manque, puisqu'il est satisfait. Oui, mais si le désir est manque, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Vous n'avez donc pas ce que vous désirez, il n'y a plus de désir. Vous avez ce que vous désiriez avant, du temps où vous n'aviez pas. Oui, mais là, chers amis, je suis désolé, être heureux, c'est pas avoir ce qu'on désirait. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et vous, ce que vous avez, c'est pas ce que vous désirez. C'est ce que vous désiriez avant, du temps où vous n'aviez pas. Voilà pourquoi vous n'êtes pas heureux. Pardon pour ceux ici qui sont pleinement heureux, c'est pas à moi qu'il donne tort, c'est à Platon. Mais comme il donne par la même raison à Spinoza, je l'en félicite par avance. Je leur demande simplement 2 minutes de patience, le temps que j'explique aux autres, bien sûr, pourquoi les autres, eux, ne sont pas heureux. Mon idée, bien sûr, c'est qu'on est une grosse majorité ici, à être tantôt chez Platon, tantôt chez Spinoza. Tantôt heureux, tantôt pas heureux, plus souvent peut-être dans l'entre-deux qui les sépare ou qui les unit. Mais que justement, pour comprendre le fonctionnement de cet entre-deux, il importe de comprendre d'abord la logique de chacun des deux pôles qui en structure l'espace. Eh bien voilà, le pôle Platon, c'est le pôle du manque. Tant que je n'aime et ne désire que ce qui me manque, je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas, je n'ai donc jamais ce que j'aime et désire, je ne suis jamais heureux. Bref, si Platon a raison, ou plus exactement, si vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, si vous ne savez aimer et désirer que ce qui vous manque, inévitablement, vous donnez raison aussi à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Qu'est-ce que c'est en effet que tomber amoureux en langage platonicien ? Tomber amoureux en langage platonicien, c'est découvrir tout d'un coup que quelqu'un vous manque terriblement. Jusque-là, vous étiez bien, pépère, peinard. Et puis un beau soir, chez des amis communs, patatras, coup de foudre ravageur, vous rencontrez la femme ou l'homme qui vous manque terriblement. Vous ne supportez plus de vivre sans elle ou sans lui. Vous êtes tombé amoureux. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt marrant. Enfin, c'est déjà compliqué, à la vérité, mais la vie devient plus intense, plus poétique, avec un côté champagne. Si vous êtes marié, c'est une espèce de catastrophe et une source d'emmerdement à peu près indéfinie. Alors, on va imaginer, pour la simplicité de mon modèle, que vous êtes célibataire. Mais je ne peux pas vous garantir que ça ne tombe que sur des célibataires. Donc vous êtes célibataire, par hypothèse, et un beau soir, chez des amis communs, vous rencontrez la femme, l'homme, je vais dire la personne, pour ne pas avoir toujours à hésiter entre le masculin et le féminin. Vous rencontrez la personne qui vous manque terriblement. Vous ne supportez plus de vivre sans elle. Vous êtes tombé amoureux. Vous entreprenez donc de séduire cette personne. Et là, de deux choses l'une. Ou bien vous y arrivez, ou bien vous n'y arrivez pas. Si vous n'arrivez pas à la séduire, le manque continue, se transforme en souffrance, c'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas. Mais si vous arrivez à séduire cette personne, elle vous aime aussi. Vous vous installez ensemble, éventuellement vous vous mariez, vous faites des enfants. Et là, forcément, à force d'être là tous les soirs, tous les matins, à force de partager votre vie et votre lit, inévitablement, cette personne va vous manquer de moins en moins. C'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est qu'elle est là, simplement. C'est qu'à la lettre, elle ne manque pas. Le problème, c'est que si le désir est manque, si elle vous manque de moins en moins, ça veut dire que vous la désirez de moins en moins. Et si l'amour est désir, ça veut dire que vous l'aimez de moins en moins.
Vous êtes marié depuis 6 mois ou 6 ans, selon les cas, et un beau soir ou un triste matin, vous demandez, mais au fond, est-ce que je suis toujours amoureux d'elle? Est-ce que je suis toujours amoureuse de lui? La réponse est non, bien sûr. Sinon, vous ne poseriez pas la question. Attention, ça ne veut pas dire, ou pas forcément dire, que vous ne l'aimez plus. Ça veut dire que vous ne l'aimez plus comme ça. Vous n'êtes plus chez Platon. Vous n'êtes plus dans le manque. Vous n'êtes plus amoureux au vrai sens du mot, au sens qu'avait le mot amoureux quand vous avez dit 6 mois ou 6 ans plus tôt à votre meilleur copain ou copine, « Je suis tombé amoureux ». Vous n'êtes plus amoureux, vous n'êtes plus chez Platon. Et là, vous n'avez plus philosophiquement qu'un seul choix. Soit vous allez tomber de Platon en Schopenhauer, soit vous allez monter de Platon en Spinoza. Tomber de Platon en Schopenhauer, alors Schopenhauer, philosophe allemand du 19e siècle, dont je fais un bond considérable dans l'histoire de la philosophie, mais un bond qui n'est pas sans cohérence, parce que Schopenhauer s'est toujours voulu, à sa façon, disciple de Platon. Pour ceux qui n'ont pas lu Schopenhauer, on peut dire vous allez tomber d'Aragon en Michel Houellebecq. Oui. C'est pareil, sauf que ça fait encore plus mal, mais c'est pareil parce que Schopenhauer est le maître à penser du romancier contemporain et talentueux, par ailleurs, Michel Houellebecq. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tomber de Platon en Schopenhauer, d'Aragon en Michel Houellebecq? Ça veut dire que Schopenhauer résume tout ça, ce que je viens de montrer rapidement, en une phrase, dont je dis toujours que c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. Comme ça, là, on aura touché le fond, on ne pourra plus que remonter. Alors, quand je désire ce que je n'ai pas, le manque, c'est ce que Schopenhauer, comme tout le monde, appelle la souffrance. J'ai faim, il n'y a pas à manger, souffrance. J'ai soif, il n'y a pas à boire, souffrance. Je l'aime, elle ne m'aime pas, souffrance. Mais quand j'ai ce que, dès lors, je ne désire plus, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque. Ce n'est pas le bonheur, il n'y a plus de désir. Je ne peux pas avoir ce que je désire, il n'y a plus de désir. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur, c'est ce que Schopenhauer appelle simplement et fortement l'ennui. L'ennui. Qu'est-ce que c'est que l'ennui? Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur, c'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue. Je me disais, qu'est-ce que je serais heureux si? Qu'est-ce que je serais heureux quand? Le si se réalise, le quand c'est aujourd'hui, je ne suis pas heureux pour autant. Ennui. Eh bien, la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie, écrite par Schopenhauer, est la phrase suivante. Schopenhauer écrit « Ainsi, toute notre vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Fin de citation. « Ainsi, toute notre vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Souffrant parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque, ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. Souffrant du chagrin d'amour, ennui du couple. Il y a une chose que Platon et Schopenhauer n'expliquent pas, peut-être une seule, ou plusieurs, mais qui viennent au même. Ce qu'ils n'expliquent pas, c'est qu'il existe parfois des couples heureux. Ça met une raison forte d'aimer les couples quand ils sont heureux et de n'être pas platonicien. Qu'est-ce que c'est qu'un couple heureux? Ce n'est pas un couple, comme on dit dans les mauvais livres, où ils sont restés, ils sont mariés depuis 30 ans, ils sont aussi amoureux qu'au premier jour. Arrêtez de rêver. C'est un couple qui, au lieu de tomber de Platon en Schopenhauer, quand il n'y a plus de manque, il ne reste que l'ennui, et monté de Platon en Spinoza. Quand il n'y a plus de manque, il reste la joie. Eh bien, cet amour joyeux, en grec, ça ne s'appelle pas Eros, ça s'appelle philia, philia. Philia, qu'on traduit un peu platement par amitié, on pourrait traduire par amour aussi bien, mais ça serait forcément un peu vague, un peu indistinct. C'est l'amour selon Aristote, plutôt que selon Platon, et selon Spinoza, plutôt que selon Schopenhauer. Son contenu vrai est défini en une phrase, pure comme l'aube, par Aristote. Aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est se réjouir. Et là, vous comprenez que tout s'inverse. Parce qu'autant, si vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, si vous ne savez aimer que ce qui vous manque, inévitablement, vous donnez raison aussi à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. En revanche, si c'est à Aristote ou Spinoza que vous donnez raison dans vos histoires d'amour, si aimer pour vous, c'est vous réjouir, si l'amour est joie, alors clairement, Aragon a tort. Il n'y a pas d'amour
malheureux. Sauf dans le deuil, bien sûr. Parce que le deuil, alors au sens propre, l'autre est mort, ou au sens figuré, l'autre ne vous aime pas ou vous a quitté, le deuil recréant tragiquement le manque vous renvoie brutalement, douloureusement chez Platon. Mais en dehors du deuil, si l'amour est joie, alors Aragon a tort, il n'y a pas d'amour malheureux. Et Spinoza, au XVIIe siècle, je vais très vite, mais reprend au fond la même conception qu'Aristote. Dans une formule un peu plus compliquée, mais que je vais expliquer en quelques mots, Spinoza écrit dans l'Éthique « L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. » Autrement dit, aimer, c'est se réjouir de. Hein, c'est ce petit de, finalement, que Spinoza ajoute à la pensée d'Aristote. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si quelqu'un vous dit, ce soir, « Je suis joyeux à l'idée que tu existes. » Ou bien, « Il y a une joie en moi. » Et tu vois, la cause de ma joie, c'est l'idée que tu existes. Ou plus simplement, « À chaque fois que je pense à toi, cela me rend joyeux. » Vous prendrez ça, évidemment, pour une déclaration d'amour. Vous aurez évidemment raison. Ça donne raison à Spinoza. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Vous aurez raison, mais vous aurez aussi beaucoup de chance. D'abord parce que c'est une déclaration spinoziste d'amour, hein, ça n'arrive pas tous les jours. Mais aussi, et peut-être surtout, parce que c'est le cas très rare d'une déclaration d'amour qui ne vous demande rien. Et ça, croyez-moi, c'est proprement exceptionnel. Alors, imaginez, mesdames, puisque ça se passe en général dans ce sens-là, que cet après-midi, un homme vous aborde dans une rue de Paris. Un homme que vous ne connaissez pas, qui n'est pas votre mari, sinon c'est pas drôle, mais assez bien fait de sa personne. Vous aborde et vous dit « Madame, mademoiselle, je suis joyeux à l'idée que vous existez. » Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Alors, vous pourriez me dire que ça ne me regarde pas, je vous l'accorde tout à fait, mais comme il n'est pas impossible qu'il ait emprunté son accroche à tel ou tel de mes livres, il faut quand même que je vous offre des éléments de réponse possibles, dont vous ferez bien sûr ce que vous voudrez. Donc il vous aborde, « Madame, mademoiselle, je suis joyeux à l'idée que vous existez. » Vous pourriez lui répondre par exemple, « Ah ben ça, cher monsieur, ça me fait plaisir. » Non, c'est vrai, vous me dites que vous êtes joyeux à l'idée que j'existe, alors vous le constatez, j'existe en effet, tout va bien. « Au revoir, monsieur. » Reconnaissons que là, vous êtes au plus près, me semble-t-il, de la vérité affective du moment. J'imagine qu'en effet, ça fait plutôt plaisir, ce genre de remarque. Mais enfin, vous connaissez les hommes. Il va essayer de vous retenir. Il va vous dire « Attendez, ne partez pas, je veux que vous soyez à moi. » Oh, alors là, mon pauvre monsieur, c'est complètement différent. Relisez Spinoza. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Vous êtes d'accord? Oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous réjouit, en vérité? Et donc, qu'est-ce que vous aimez, au fond? Est-ce que ce qui vous réjouit, c'est l'idée que j'existe, comme j'avais cru le comprendre au départ, auquel cas je vous accorde que vous m'aimez, je m'en réjouis et je vous dis au revoir? Ou bien est-ce que ce qui vous réjouit, c'est l'idée que je sois à vous, comme je crains de le comprendre à présent? Auquel cas, ce que vous aimez, ce n'est pas moi, c'est la possession de moi. Et donc, mon pauvre monsieur, vous n'aimez que vous. Et ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Au revoir, monsieur. Alors là, vous l'aurez quand même déstabilisé. Soit il se dit, merde, une intello, je me casse. Mais... Sincèrement, ce n'est pas le moins probable, mais ce n'est pas grave, ça prouve qu'il n'avait rien dans la tête. Soit il se dit, celle-là, elle n'est vraiment pas comme les autres, il me la faut absolument, bref, il s'accroche. Mais enfin, vous l'aurez déstabilisé, il va se mettre à bafouiller, va vous dire, écoutez, je ne sais plus, je suis amoureux, quoi. Vous pourriez lui répondre, mais mon pauvre monsieur, c'est ce que je me tue à vous expliquer. Vous êtes amoureux, enfin, vous êtes en manque, vous êtes chez Platon. Mais enfin, on a assez vécu, vous et moi, pour savoir qu'à supposer que je cède à vos avances, à supposer que je sois tout à vous, comme vous dites, ben forcément, à force d'être tout à vous, je vais vous manquer de moins en moins. Et puis moins qu'une autre, ou moins que la solitude. Sincèrement, est-ce que vous avez envie de vivre ça une fois de plus? Moi, ça ne m'intéresse plus. À moins, pourriez-vous ajouter, à moins que vous ne soyez capable d'être spinoziste, au moins parfois. À moins que vous ne soyez capable, non pas de désirer ce qui vous manque, mais de vous réjouir de ce qui est. Ah, ça, ça pourrait éventuellement m'intéresser. Écoutez, réfléchissez-y, voici mon numéro de téléphone.
Ça, c'est s'il est vraiment bien. Et pour inquiéter un peu vos époux, qui se rassurent toujours trop vite. Bien sûr, je sais, Mathilde, on a peu de temps. Nos histoires d'amour, souvent, sont entre Eros et Philia. Le manque, la joie. Mais ça n'est pas la même chose d'être surtout dans le manque et donc dans l'ennui quand il n'y a plus de manque. Ou d'être surtout dans la joie et donc dans l'amour. Un mot pour terminer là-dessus, avant de passer à Agapé, très rapidement. Peut-être avez-vous dit, messieurs, à votre épouse, lors de la dernière Saint-Valentin, le 14 février dernier, « Ma chérie, ça fait 15 ans qu'on est mariés, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 15 ans, je suis aussi amoureux de toi qu'au premier jour. » C'était gentil. Non, c'est vrai, c'était bien d'avoir pensé à la Saint-Valentin, c'était gentil de lui dire ça plutôt qu'une vacherie, mais enfin, clairement, c'était faux. Vous n'espérez pas qu'elle vous a cru, quand même. Elle a bien vu la différence, elle. C'était un gentil mensonge, voilà. Mais vous savez, dans un couple, un mensonge, même gentil, c'est toujours inquiétant. Parce qu'elle est savoir où s'arrête la gentillesse et où commence la lâcheté. Surtout lorsqu'il s'agit d'un homme. Chez qui, comme chacun sait, ces deux traits de caractère, gentillesse et lâcheté, sont tellement proches qu'ils sont à peu près indiscernables. Alors faites-moi plaisir, messieurs, ou plutôt faites-lui plaisir. Lors de la prochaine Saint-Valentin, dites plutôt à votre épouse, « Ma chérie, ça fait 16 ans qu'on est mariés, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 16 ans, la principale cause de joie dans ma vie, c'est que tu existes et que tu es ma femme. » Parce que là, vous faites une déclaration d'amour, au moins possiblement vraie, et autrement émouvante, entre nous soit dit, que faire semblant de manquer de celle qui, d'évidence, ne vous manque pas, puisqu'elle vous fait ce cadeau merveilleux de partager votre vie. Et puis je vais vous dire, manquer, être amoureux, c'est à la portée de n'importe qui. N'importe quel beauf, n'importe quel gamin de 16 ans peut tomber amoureux, y compris d'une vedette de la chanson qu'il a jamais rencontrée. Eh oui, aimer ce qui manque, c'est facile. Se réjouir de ce qui est, c'est autrement difficile, autrement important, autrement émouvant. Donc Eros, le manque, la passion amoureuse, l'amour selon Platon et donc Schopenhauer. Philia, la joie. Qu'est-ce que c'est qu'aimer pour Philia? C'est jouir et se réjouir de l'existence de l'autre, de la présence de l'autre, de l'amour de l'autre. Et puis enfin, agapé. Alors ça c'est du grec, mais vous ne le trouverez jamais chez Platon, jamais chez Aristote, jamais chez Épicure, jamais chez aucun grec classique. Ce qui s'est passé, c'est que quelques 3 siècles et demi après la mort d'Aristote, dans un coin particulièrement paumé de l'Empire romain, parce que 3 siècles et demi après la mort d'Aristote, c'est plus l'Empire d'Alexandre, c'est l'Empire romain, quelqu'un qui n'était même pas grec, même pas romain, un petit métèque quelconque, s'est mis à tenir dans un improbable dialecte hébraïque, en araméen, semble-t-il, des propos étranges. Il disait « Dieu est amour ». Il disait « Aimez-vous les uns les autres ». Il disait « Aimez vos ennemis ». Le plus étonnant, c'est qu'il y en a qui ont cru. Qui se sont dit « Mais c'est formidable ce que se dit cet homme, il faut le dire au monde ». Alors aujourd'hui, on le traduirait en anglais et on le mettrait sur Internet. À l'époque, il faut le traduire en grec, parce que c'est l'Empire romain, mais la langue cultivée de tout le bassin méditerranéen, la koiné, c'est toujours le grec. Il faut le traduire en grec et faire à pied le tour de la Méditerranée. Alors on va essayer de traduire en grec, par exemple, « Dieu est amour ».« O Theos Eros Estin »« Dieu est amoureux ». Ah bon, de toi ? Non, cet homme est fou. Le type qui vous dit « Dieu est amoureux de moi » est un malade mental. Soyez amoureux les uns des autres. Attendez, le prochain c'est n'importe qui, c'est tout le monde. Je ne vais pas tomber amoureux, tout le monde est n'importe qui, ce serait une maladie. Soyez amoureux de vos ennemis, mais c'est ce qu'on appelle le sadomasochisme, c'est de la perversion. Vous voyez, pour traduire l'amour évangélique, c'est de ça qu'il s'agit, Eros, ça n'allait pas du tout. Philia, ça irait un peu mieux, mais pas très bien, parce qu'on choisit ses amis. On ne choisit pas son prochain. Si bien que les premiers chrétiens, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, n'ont pas inventé un nouveau mot, comme je l'ai cru longtemps, mais récupéré, et je trouve c'est très émouvant rétrospectivement, un mot qu'aucun grec n'a peut-être jamais utilisé
avant l'époque chrétienne, mais qui avait servi pour traduire en grec la Bible hébraïque dans la Septante, agapé. Ils ont pris ce mot qui est à l'époque un quasi-néologisme, qu'il est attesté encore aujourd'hui que dans la traduction en grec de la Bible hébraïque, agapé, pour désigner cet amour que Jésus professait. Amour d'autant plus singulier que justement il se veut universel. Je termine rapidement sur cet amour-là. Quand j'étais... Alors qu'est-ce que c'est que l'amour de charité ? Philosophiquement, c'est l'amour selon Simone Veil. Donc, que Simone Veil explique en citant toujours d'abord une phrase de Thucydide, l'historien grec. Dans les guerres du Péloponnèse, Thucydide écrit ceci. « Toujours et partout, par une nécessité de nature, tout être tend à affirmer au maximum sa puissance. » Toujours et partout, par une nécessité de nature, tout être tend à affirmer au maximum sa puissance. Et Simone Veil dit, ben voilà, c'est vrai, c'est toujours vrai. C'est la logique de la guerre, c'est la logique de la géopolitique, c'est la logique du business, c'est la logique du sexe, en tout cas masculin, quand il n'y a que le sexe. Vous savez, cette formule de Sade, je n'aime pas Sade, mais cette formule-là m'a toujours paru sonner assez juste. Tout homme est un tyran quand il bande. Tout homme est un tyran quand il bande. Alors, pas de panique, ça nous laisse de très nombreuses heures de parfait libéralisme. Et puis heureusement, il y a l'éducation qui nous interdit d'exprimer cette tyrannie. Voyez, mais dans la part obscure de la sexualité, au moins masculine, il y a en effet ça. Affirmer au maximum sa puissance. À la limite, c'est la logique du viol. Et Simone Veil ajoute, ben voilà, c'est vrai, c'est toujours vrai, sauf quand il y a amour de charité, agapé. Ce qui débouche sur une définition de l'amour de charité, qu'est-ce que c'est que l'amour de charité ? Ça n'est pas un amour sans puissance. C'est un amour qui refuse, qui renonce à affirmer au maximum sa puissance. Par exemple, vous êtes chez vous, au rez-de-chaussée, si vous habitez en pavillon. Les enfants sont dans leur chambre à l'étage. Il est tard, c'est l'heure qu'ils aillent se coucher, ou bien c'est l'heure de faire les devoirs, ou bien ils font trop de bruit, ou bien il faut qu'ils rangent leur chambre. Bref, vous montez au premier étage pour rétablir l'ordre. Joyeusement, par amour, hein, mais vous allez affirmer joyeusement votre puissance. Et puis vous arrivez sur le palier, et là, par la porte entrouverte de la chambre des enfants, vous voyez les deux ou trois petites têtes brunes ou blondes, tellement mignonnes, tellement fragiles, tellement bouleversante de fragilité et tellement bien sans vous qu'au lieu d'entrer dans la pièce pour affirmer joyeusement votre puissance, vous redescendez l'escalier sur la pointe des pieds, le cœur bouleversé d'amour et d'inquiétude. Eh bien, ce moment où vous redescendez l'escalier sur la pointe des pieds, ce moment où vous renoncez à affirmer au maximum votre puissance, pour Simone Veil, c'est un moment de charité. Et bien sûr, ça n'est pas un hasard si Dieu, dans la tradition chrétienne, est dit père. Il serait dit mère, à mon avis, ce serait encore mieux, mais il est dit père parce que l'amour parental est justement le seul qui, quotidiennement, nous pousse à refuser d'affirmer au maximum notre puissance. Bref, Dieu se retire, comme dit Simone Veil. Et elle reprend là un vieux thème de la mystique juive, peut-être sans le savoir, parce que le paradoxe, c'est que Simone Veil, née dans une famille juive parfaitement laïque, n'a aucune curiosité, aucune sympathie pour le judaïsme. Hein, elle est à la limite, donc pas antisémite bien sûr, mais anti-judaïque en quelque chose. Son Dieu à elle, c'est Jésus. Enfin, c'est le Dieu du Nouveau Testament, c'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. Mais malgré tout, elle rejoint un vieux thème mystique juif, ce qu'on appelle le tzimtzum, le retrait. Dieu se retire, c'est-à-dire que Dieu refuse d'exercer au maximum sa puissance. Il refuse d'occuper tout l'espace, il se retire pour que quelque chose d'autre que lui puisse exister. Et puis, dans le couple, ça peut arriver aussi, et je terminerai par là. C'est une très belle formule du philosophe allemand Adorno au XXe siècle. C'est peut-être la formule de tout ce que j'ai lu sur l'amour qui me touche le plus. Adorno écrit... Tu seras aimé
Il dit « tu », mais en vérité, c'est à lui qu'il s'adresse, c'est quasiment un journal intime. « Tu seras aimé quand tu pourras montrer ta faiblesse sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force. » Tu seras aimé quand tu pourras montrer ta faiblesse sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force. Oui, parce que l'autre, évidemment, il vous aime joyeusement, puissamment. Mais comme la joie est justement une augmentation de puissance, c'est exister davantage, comme dit Spinoza, à force de se réjouir et d'exister de plus en plus, il occupe un espace quelque peu envahissant. Si bien que vous, quand vous êtes en position un peu de faiblesse, de fragilité, de tristesse, quand vous existez un peu moins, ben vous reculez d'un pas pour avoir un peu d'espace devant vous pour exister. Oui, mais l'autre, il vous aime joyeusement, puissamment. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance d'un pas. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Allez, viens, je t'emmène au golf, au cinéma, au restaurant, on va faire ceci, on va faire cela. Par amour, joyeusement, puissamment. Sauf que vous, vous avez envie de pleurer. À moins qu'à ce moment-là, l'autre, sentant qu'en effet, vous êtes en position de fragilité, de faiblesse, au lieu d'avancer d'un pas, recule de deux pas. « Bon chéri, je vais faire un tour, j'emmène le chien, j'emmène les enfants, je vais faire des courses. » Ce moment où l'autre consent à exister un peu moins, pour que vous, vous puissiez exister un peu plus, pour Simone Veil, c'est un moment de charité. Alors voilà, trois noms, je vais m'arrêter là, pour ne pas être trop long, trois mots grecs pour dire l'amour, eros, le manque, la passion amoureuse. Philia, la joie d'aimer, jouir et se réjouir de l'existence de l'autre, de la présence de l'autre, de l'amour de l'autre. Enfin, agapé, l'amour du prochain, l'amour de charité. Il va de soi que nos histoires d'amour réelles se situe très souvent dans l'entre-deux, emprunte quelque chose à ces trois amours-là. Mais c'est justement parce que nos histoires d'amour mêlent souvent ces trois types d'amour qu'il est bon, au moins conceptuellement, de les distinguer, pour y voir plus clair dans notre vie affective, étant entendu que c'est la vie qui vaut et non pas les concepts. Je vous remercie pour votre attention.